Bonjour, je me présente, je m'appelle Sara Linares. Et moi, je suis Ricardo, son père. Nous sommes partis en Croatie avec notre voisine en septembre 2003. Pour moi, c'était une première, hein, une première fois. Un pays que je ne connaissais pas, que j'ai eu un grand plaisir à aller visiter. Et ce qui m'a plu beaucoup, c'est avec tous ces monuments. Hein, beaucoup d'églises, beaucoup de monuments historiques. C'est vrai qu'il manque un peu au niveau de la langue, vu qu'on ne sait pas parler la langue, où il pose un petit léger problème, hein, quand même. Mais ça reste dans le plaisir d'aller visiter. C'est un endroit qui est très touristique. Et puis, entre autres, très touristique, beaucoup de ports. Aussi, la plage magnifique, l'eau est splendide, hein, très claire, propre. À part là, on a pris beaucoup de photos. Pourquoi les garder pour nous quand on peut faire profiter les autres? Nous avons visité un magnifique pays et nous espérons que ce petit film vous donnera envie d'aller le visiter. Départ matinal de Lausanne vers l'Italie. Après plusieurs arrêts pour le remplissage du car, nous voilà en route pour Trieste où était prévu notre premier arrêt. En arrivant en Italie, nous avons été surpris par un changement de programme. Nous avons passé les deux frontières de la Slovénie et de la Croatie pour enfin s'arrêter et dormir à Liburnia. Le lendemain matin, nous avons continué notre voyage vers Sibernik. Nous pouvons admirer les magnifiques paysages entre la mer et les montagnes. À perte de vue, on voit des forêts et des petits villages. Au loin, on aperçoit de très jolies îles. Nous arrivons enfin à l'hôtel. Le personnel nous souhaite la bienvenue avec une dégustation du vin du pays et un buffet très varié. Une visite de la ville pour flâner dans le marché, entouré par le centre historique avec ses nombreuses églises. Plus loin, des étroites ruelles bordées de maisons aux façades ornées de piliers. Puis nous avons passé à Rovigny, une ville très touristique. De retour pour l'hôtel, nous empruntons un chemin intérieur et là, nous apercevons davantage des traces qui témoignent de la souffrance de la guerre. Le quatrième jour, départ pour le parc national de Krka. Il a été proclamé en 1985 patrimoine national. Il s'étend sur 111 km² le long du fleuve de Krka qui prend sa source au pied de la montagne de Dinipa. Dans le parc,
on peut apercevoir plus de 860 espèces et sous-espèces de plantes. Également, nous avons pu visiter un magnifique musée d'artisanat, notamment costumes traditionnels, poteries et meubles anciens. Nous avons traversé par bateau la rivière pour arriver dans une ville très pittoresque. Après l'avoir visitée, nous avons mangé une des spécialités du pays. Le lendemain, nous voilà de retour vers l'Italie, longeant la mer de sable fin.